Maman petite marée vente, maman petite marée vente, poté code, peuple haïtien. Pour une marée criminelle, pour une marée assassin. C'est vraiment compliqué. Moun que yo épinglé dans quatre dossiers ça, m'pas bon menti, pote pour sortir ya. Li difficile en pile. Li minimum pile. Possibilité pour sortir ya, li minimum en pile. M'pas connaît. M'pas connaît comment on peut utiliser stratégie. Comme moi, ouais, ancien premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, décide pour le siguer à Delante, m'dis bravo. Parce que c'est seul lui-même, moi, qui décide pour le prendre de ce en charge. Pour le dire, fuck lumière, justement, établi dans le cadre de ça. Mais m'a dit, premier ministre là, mon cher, pas bon menti, dossier compliqué. Dossier compliqué. Voilà, ensemble avec nous, ou pral tande exactement ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Et puis, nous pral rentrer dans le dossier juge, cour de cassation. Mais entre temps, gon bagay la, combat qui pété. Et notre sa sorti, c'est yon média qui sorti li. Conflit d'intérêt au sein du cabinet de Justin Trudeau. La chef de cabinet adjointe, Marjorie Michel, est une proche d'une famille politique impliquée dans la crise en Haïti. Guide l'objectivité des sanctions. Dossier à suivre. L'extrêmement important. Si premier ministre Trudeau et le travail qu'il a fait, Fokli, ou qui est-ce qui est dans le cabinet? Faut que lui voit qui est dans le cabinet lui. Parce que je dis là, on ne peut pas dire comme ça que non, c'est ta influence, non, qui peut faire sanctionner. On sait des monde n'importe qui gens. Faut que tu aies bon gens enquête, oui. Puis gars, c'est ta dossier ZAM, soit disant anabilisé, non, puis ouais, c'est ta dossier ZAM, soit disant anabilisé, il t'a dit sanctionner la motte là. Connais la motte, mange à gratin. C'est à sous base dossier cargaison Zamanel Belize a parlé tout partout. Il a dit sanctionner la motte qu'on est PM la motte manger à gratin. Ah ouais là, qu'on est PM la motte manger à gratin. C'est à sous base ça. C'est à dossier ça que pays Canada soi-disant a dit que le gagnait dans plamel comme preuve qu'on est loin la motte manger à gratin. Là nous pral parler, nous pral fonti tande la motte qui t'a fonti parler avec Gary Pierre Paul Charles. Et c'est seul Laurent Lamotte moi ouais qui prend dossier ça au sérieux dans niveau ça. Et ça fait que moi et seul haïtien tout que moi au sanctionné et moi gagne des haïtiens qui décide pour dire yo pas quoi. Là, quelque part moi comprends nos bagailles. Entendez Laurent Lamotte pendant quelques minutes ensemble avec moi et puis nous pral traverser dans dossier dans la cour de cassation. Et puis nous pral tomber sur Matéli, nous pral gagne information tête chargée. Restez là, PM Lamotte. Combien de temps vous gagnez depuis ou pas premier ministre encore en Haïti? Mais commencer, mais entrer en fonction le 12 mai 2012. Et mais quitter parce que le ministre là le 12 décembre 2014. Donc vous faites exactement 2 ans et demi dans cette primature. Ok, maintenant, ça fait combien de temps? Ou pas non. Ça fait 8 ans depuis le premier ministre. Ok. Mais là, t'es premier ministre, ou t'es une relation avec gang? L'un des premiers ministres, je crois que tout le monde est d'accord. Parce que quand on aime Laurent Lamotte, quand on aime Laurent Lamotte, tout a vécu en Haïti entre mai 2012 et décembre 2014, il y a une bagarre. Que nous tous pas d'accord sur lui. C'est que c'est bien sécurité, tight. C'est que pas de gain aucune zone côté pas de marcher libre, pas de gain pas de gain aucun coin dans pays côté pas de arriver en toute sécurité. Pas de gain gang. Niveau kidnapping, nous devons être élevé. Il n'a pas élevé, il n'a pas plus que 30 à 40 kidnappings par mois, qui bien moins que ça vient aujourd'hui. Et pendant 2 ans et demi, je crois que tout le monde est d'accord, ça va y monter, pas de gain kidnapping encore. Et pour qui ça? Parce que
nous terminons une politique agressive, nous pas de se coller avec gang. Quel que soit gang là. Nous, c'est-à-dire deux gangs qui t'a opéré dans le pays. Gang Galil, et nous songer que gang ça a noté une démarche. Bon, mon second, t'as pris, s'il vous plaît. Bam, bam, information. Majorie Michel, qui c'est chef de cabinet adjointe, premier ministre canadien, qui c'est premier ministre Justin Trudeau. Selon information qui arrive sous table Fobeto, dame, ça te porte-parole. Jean-Bertrand Aristide, chef président, alors président Ratpakaka, président Lavalasse là. Et dame, ça te porte-parole. Président Aristide dans la Coupe d'Haïti, avant que le Canadien. Je dis à c'est lui-même qui est dans le cabinet Justin Trudeau comme chef cabinet adjoint. Et puis nous avons sanction ça, absorti. Je ne pas mettre en question, en doute à tous les niveaux sanctions. Yo. Mais sauf ça, je connais. Je connais que sanction yo, justement, si c'est dame ça, est-ce que pas quelque influence? Parce que cabinet Justin Trudeau, gon moun ki pa fin trop correct là-dedans. En avance PM Lamotte, peuple haïtien. Et il te gagne, c'était pratiquement son la familia qui était dans gang ça. Et gang Clifford Brent là, que nous songeons qui était gagne un kidnapping spectaculaire que lui fait. Contre la famille Moscoso, le petit Robert Moscoso, eh bien, la police là à l'époque, mette tête au travail et gang ça a été démantelé. Même j'ai avec plusieurs autres gangs, tels que Anel, village de Dieu, et la prison, le pays. À l'époque, c'est bien investissement, il y a 5 hôtels qui fait en 2 ans et demi, l'MDLA là. Et nous songer, même des Camerouns. Eh bien, nous sommes venus aller, des Camerouns, nous sommes venus dans le pays. Mais c'est grâce à la sécurité que tu as dans le pays. Donc, ça, ma petite là, ça, parce que je ne pense pas que c'est des points de polémique. Et je pense que au moins, si ça, tout le monde est d'accord, que Laurent Lamotte, c'est ma, c'est gang. Laurent Lamotte, pas de zombie gang, Laurent Lamotte, pas de gang, pas de jeune gang. Ok, maintenant, l'offin dit nous ça. Entre temps, ou pas premier ministre encore, mais entre temps, ou gagne des relations et des rapports avec des moun qui n'ont politique, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Donc, est-ce que entre temps, ou pas développer des relations avec des moun que ou gagne doute sou yo en termes de fonctionnement en Haïti? Mais, Gary Lang qui te primatur. Moi, qui suis arrivé en 2014, moi, rentré dans l'activité privée, moi, ouvert un centre de un think tank, dans mon centre de recherche, le LSL World Initiative, qui lui-même a fait conférence à travers le monde, dans lequel il y a plusieurs universités, telles que Sciences Po à Paris, telles que MIT, et en plus de 3 fois, FIU, Miami, Barry University. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'homme qui était primatien. Oui, allô? Nous connaissons. Bon. Et toujours avec Primis Lamotte? Bon. L'homme qui était très certainement en 2014, politique nous a mené, en grande indépendance, comme elle dit ça. Et moi, je connais que le nous créons des gangs quand on a familial, il y a tout le monde qui partent ça d'un bon oeil. Et ça a causé un pile de difficultés, il a causé un pile de problèmes que nous pratiquement vivons pendant tout le reste, madame, comme vous l'avez dit. Donc c'est comme ça que moi-même j'étais vivre à l'époque. OK. Bon, maintenant, où expliquer tout ça
mais gagner de déclarations qui fait avec des preuves, des documents à l'appui, notamment un ancien parlementaire et qui fait des déclarations qui parlait de achat de Galil qu'on fait et Galil ça yo était distribué par des chefs de gang. Qui précision et qui soit capable de nous par rapport à achat de 200 Galil ou peut-être plus et que ou t'es fait pendant ou t'es premier ministre. Meni, là où est là et ancien premier ministre là monsieur pour aller pour une clé. Et honnêtement moi-même ouais déclaration monsieur moi appuyer là 100%. Raison parce que Haïti gon bagay qui passe là-dedans que moi même pas jamais accepter tout autant que moi exister. DCPJ fait travail li. Pardon. La police fait travail. Yo fait filature derrière Anel Belizer parce que yo te gon mandat contre lui. Yo arrêté Anel Belizer dans rentrer Jacques Mel là. Mes amis avec un arsenal zam. Moi même moi confirme, moi connais Anel Belizer avec toute quantité zam ni sous lui. Avec quantité soldats sous lui, paquet zam ou connaît. La police présentait tout matériel que yo te saisi dans Anel Belizer. Mes amis, la justice même vient démentir la police. La justice libérée Anel Belizer. Mais je dis à qui est-ce qui a parlé de moun dans le pays d'Haïti? Anel Belizer qui a parlé dans toute radio. Et aujourd'hui, des journalistes qui ont parlé. Est-ce que nous sommes dans le pays d'Haïti? Nous sommes salmen, nous sommes sans honte, nous sommes vicieux. Les journalistes connaissent la vérité. Mais c'est des amis dans le mail. Mais ils n'ont pas dénoncé le nom. Ils ont accepté pour le micro. Comme si Fox System volait, association malfaiteur, il fonctionne avec journaliste ami Koyo, dans les médias traditionnels, et comme les politiciens gangnants, n'est qu'un endroit où criminel là, avec politiciens assassins, n'est qu'un secteur privé gangnant. Pour qui est-ce qu'on a travail? Pour Reginald Boulos. On nous quitte la mot répondre parce que l'explication li en détail, moi remè. Entendez-le. Bon, mais moi, je suis ça. Parce que, l'ancien parlement, c'est ça que nous avons parlé de lui, il y a tout le monde qui est, c'est Anel Belizer. Et tout le monde. Et il n'est pas un secret pour personne que Anel Belizer lui-même, c'est qu'on a marché avec Galil, qu'on a couru avant la manifestation. Et Galil, ça, c'est des armes de guerre que pour un civil, pour être illégal. Même Anel Belizer, ça, tout. Tout président Jovenel, dans la ville de Jacques Mel, je te venu avec un paquet d'armes, femmes fois. Il y a un pile de gars qui sont dans la même balle, armes, etc. Donc, ce n'est pas un enfant de cœur. Ça, c'est le premier balle. Donc, je pense que, comme je suis allé dans le balle, je pense que le côté de la liberté qui est dans la même lieu. Côté de la liberté, comment je garde le lieu? Parce qu'un pile de gars qui sont dans la même lieu. C'est une question ça pour vous poser. Donc, gagner. Donc, ça, c'est. Pour considérer mon capoté message ça et pour nous continuer à ça tout nous connaissons très bien relation que Anel Belizer a gagné avec Boulos. Boulos, voilà. Nous connaissons très bien relation ça. Des vidéos qui sont sorties et vidéo à lui-même qui est très explicite quand il t'a demandé mon avec Boulos et nous connaissons très bien que Boulos c'est la commission qui dévoile Maria. Donc nous connaissons antécédent avec lui. Donc ça, c'est pour un bon contexte là. Comme monsieur, il a radio toute la journée, il a parlé, ça le pas connaît. Je vais avoir quelques précisions et je vais payer quelques précisions. Je vais avoir un élève ici, je vais payer quelques précisions que je fais déjà et que je vais faire encore. Comme c'est sous Scoop FM, vous voyez, donc je vais avoir des précisions encore et. Après ça, nous tout faisons un dossier ça, parce que pour moi-même, dossier ça, son dossier qui clos. Justement. La police nationale d'Haïti, comparativement à Gangyo, nous devons jouer un niveau de criminalité excessivement élevé. C'est un kidnapping, ok? C'est un assassinat. Donc, nous devons obliger. Sans situation et gouvernement de l'époque là, il en a parlé nous en 2013, eh bien, nous venons être seuls gens pour nous remettre la sécurité dans le pays, c'est que faut que nous baillons la police là, moyen. Ce n'est pas un niveau de policiers à et puis sauver des
policier pas gain balle, policier pas gain zam, policier pas gain ceci, policier pas gain bot, non. C'est que il s'agissait de renforcer de manière réelle les capacités de la police nationale d'Haïti. OK? Et pour ça, nous, au niveau du CSPL, nous demandons à la police là, qui a besoin comme équipement. Qu'est-ce que vous avez besoin pour nous faire, pour nous faire bien battre ça contre criminalité, pour nous faire finir à kidnapping? Qui a besoin, monsieur? Mais je dis, j'ai besoin de machine, j'ai besoin de moto, j'ai besoin de machine blindée, j'ai besoin de camion de l'eau, j'ai besoin de armes, munitions. Et puis, il y a deux informations au niveau du CSPN. Pour me expliquer ce qui est le CSPN, non? CSPN, c'est le Conseil supérieur de la police nationale. C'est un organisme qui est situé dans la primatie, qui est dirigé par le premier ministre. Et qui vient là-dedans, tout haut est arrangé à la police. Non? Le directeur général de la police, l'inspecteur général de la police. Et parfois, tout, nous prenons un paquet de lots, comme des CPJ. Nous devons nous paquet de directeur juste pour nous capables bien connaître qui ça a besoin pour nous capables barrer besoin pour barrer la sécurité dans le pays. Parce que nous, c'est sécurité, nous devons barrer. Donc, pour tout ça, pour nous, la police, maintenant, c'est le CSPN. Le CSPN, on a même dit ça en commun. Comment, qui est-ce qui fait? Ce n'est pas Laurent Lamotte ou bien Saline Soukajan que l'autre ami a payé. C'est pas ça du tout. Laurent Lamotte était le premier ministre de la République d'Haïti et chef du CSPN. Et Salim Souta était le directeur de cabinet du premier ministre à l'époque. Et nous voyons que hier, dans une interview avec Thierry Henry, ben ça a bien étalé avec preuve à l'appui. Donc, j'ai posté sur compte Twitter mais, toute preuve et documents. Et nous avons checké le sous-titre à Obaz Laurent Lamotte, ma brèli. Toute preuve, et ma brèli dans la voie, toute preuve sous à Obaz Laurent Lamotte sur Twitter et sur Facebook, tout si nous battons des mains. Ma brèli, tout, parce que nous retrouvons dans l'archive, parce que nous avons important pour qu'elle active. Lors de nos positions de direction dans le pays, d'ailleurs, tout le monde vient de direction de position, mais nous avons toujours qu'il y a des archives. Donc, il y a un lit pour vous. Barry, Bralil pour là. OK. Certificat définitif d'accusé de réception d'armes à feu. Qui fait le jeudi 8 août 2013. Mablin pour vous. La direction de logistique a accusé de réception de la compagnie AmeriJet pour le compte de la police nationale d'Haïti, les matériels, entre parenthèses, IWI de fabrication d'Israël qui me sous-mentionné en les dates suivantes. Ça veut dire que nous bon, on accusé un certificat définitif de réception. Ça veut dire la police c'est document salaire pour lui certifier que le recevoir matériel si là. OK? Donc, je cite. Le 5 mars 2013, quantité 200 fusils Garand, ça c'est le premier lot qui était commandé. Modèle ACE-22, calibre 5.56 mm, couleur noire, marque Garand. Donc, côté comment ça a passé, nous n'avons pas un vol direct. Nous n'avons pas un vol direct avec Israël. Nous n'avons pas un vol, nous, Israël qui a un vol direct avec Canada. Et AmeriJet lui-même, il est rentré avec matériel tout Canada pour rentrer Port-au-Prince. Ça veut dire, Galil Sayo est sorti en Israël, il est arrivé au Canada, et de Canada, il est arrivé en Haïti. Il est arrivé en Haïti. De Haïti, il y a là, la police l'a cherché. OK. La police l'a cherché, et puis ils ont monté dans le dépôt, et puis ils ont mis dans le dépôt la police. Ça, c'est des premiers lots, après, c'est 1000 là, c'est pas 200. C'est 1000 que le pays. C'est 1000, hein, ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont venu un groupe de 200, ça veut dire qu'il y a 5 lots. Non, excusez-moi, il y a 3 lots.
un lot de 200. Il y a trois lots. Il y a un lot de 200 qui arrive exactement le 5 mars 2013. Et là, il n'y a pas l'ombre, il y a plus que 9 ans là. Hein? Plus que 9 ans. Il y a presque 10 ans là. OK? Et le 5 mars 2013, c'est le premier lot de 200 qui arrive. Quand il y a là, ça arrive dans le dépôt de la police là et il y a un cas définitif d'accuser des questions. Ça, c'est bien. Deux, le 11 juin 2013, une quantité de 500 fusils Galil, modèle ACE-22, calibre 5.56, couleur noire, marque Galil, que la police l'a recevra le 11 juin 2013. Et puis toi... Le 8 juillet 2013... Pardon? Combien juillet? Le 8 juillet 2013, gagnons une quantité de 300 fusils Galil qui recevra modèle ACE-21, calibre 5.56, couleur noire, marque Galil. Total, 1000 Galil, et ceci certifié par la direction de la logistique de la police, signé par le directeur d'alors de la logistique de la PNH, M. Yves Stock, qui vient de nom Tchoupa. Tchoupa, attendez, c'est lui qui recevra Galil, et Galil Sayo, yo alloué yo, à unité spécialisée de la police nationale d'Haïti. Mais yo dit, Premier ministre, yo dit ou même ou te gen 200. Hein? Uh-huh. Ou te gen 200. Bon, et Gary, mm-hmm. Gen 200 Gary. Ça m'a dit pas 200 Gary là. 200 Gary, c'est la même chose que je dis. Nous connaissons pas 200 Gary là. C'est la même chose que je dis. C'est la même chose que Mwen te gen, mwen bo sa la polis la recevwa, mwen bo le fè, paske il fò respè sou le fè. La polis a reçu se zan, yo distribuye yo, selon règlement, la polis la, paske bon, nou pa date nan kesyon distribution, nan sa yo, sel sa nou konen, se ke moun ki recevwa zan sa yo al epok, se de les unités spécialisées. Sa ve di 6 mots, soit 8 mots, et 4 teams, les GPM, etc. C'était une unité spécialisée. OK? Donc, ceci, et même vous bagage, mais toute police, ouais, une unité spécialisée là, jusqu'à présent, c'est même dans le temps. OK. Pas rien d'autre, non, qui est dans le temps. Donc, c'est pour me dire, l'inepsie de la chose, ça veut dire que n'a pas l'embarras qui parle de 10 ans, et l'un de là, résultat est plus que l'autre. Parce que c'est avec Zamsaou que nous réussissons à rétablir la sécurité dans le pays. C'est avec Zamsaou que nous réussissons à croire le kidnapping. Que la diaspora a fonctionné dans le pays. Que le commerce a fonctionné dans la ville. Là. OK? C'est grâce à Zamsaou que nous réussissons à rétablir le pays la sécurité. Donc pour moi, que 10 ans après, nous avons parlé de mon bagage, alors que c'est très simple, ça veut dire que. Il y a des instances. Bon, là, mais bon, documentation, la police, là. OK? Ensemble, c'est tout contraire. Contraire, c'est la même primaire, tout seul. Contraire, c'est le ministère de justice qui fait. Avec IWI, qui c'est fabricant. Et amis. Donc, tout ça pour nous, c'est que nous avons suivi les règles de l'an à l'époque. Mais, question, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Pour question, je vais dire, après, c'est 10 ans après. OK? Normalement, pour un pays, c'est chaque 3 ans pour renouveler son armement. Là, on n'a pas long stop qui doit m'en en 2013. Je veux dire, nous en 2022, nous allons en 2023. OK. Premier ministre, un petit moment. Quand on traverse ce phénomène étape ça avant, puisque vous-même vous expliquez clairement avec ou bien vous lisez le dossier à l'appui et la police, et c'est tout pas qui te recevoir. Maintenant, nous allons poser une question classique. Est-ce que l'autre là, toute zam sa yo, t'es entré dans la police là, est-ce que pas gagné zam sa yo que t'es fait route cochu? Bah, que la bonne ça, non? Bon. Mais ce débat ou là, certificat définitif de réception de la police là. OK? Donc, l'MT là, et ça a rappelé que ça fait exactement 8 ans de Dimba là. OK? En 8 ans, de 2014 à 2022. L'MT là, toute zam yo t'es entré. Quand on était supposé entrer, même j'ai un document ça que M. Barou là.
D'accord. OK. C'est sur le livre là. OK. Ça, c'est des armements qui sont entrés dans le dépôt de la police. Là. OK. Donc, c'est pas... Leur expliquer tout ça, gros aspect dans la déclaration ministre des Affaires étrangères et Joly fait, lui dit, c'est moun qui a financé gang et moun qui bloqué Ariel pour Ariel pas avancer, qui a bloqué Ariel. Deuxième aspect, comment sont vos relations avec Ariel? Est-ce que quelque part, vous avez des mobilisations anti-Ariel qu'on fait, etc.? Parce que si vous dites, vous êtes montré clairement que vous n'avez pas de question d'âme du tout, mais et question blocage Ariel là, est-ce qu'on a une réunion avec leader politique, avec l'opposition anti-Ariel? Ouais, ça qui est important là, nous allons comprendre. Je dis la mort n'a bloqué Ariel, et c'est là, m'a dit nous quelque part, un questionnement, oui. Ce dossier sanction là, Ariel là. Ça veut dire que, quel que soit le monde qui campe pour bataille, pour changer justice, pour Jovenel Moïse, ça veut dire que ce obstacle pour Ariel, dossier a compliqué. En paix l'interrogation. On quitte la mode répondre pour nous donner. Bon, ben c'est une réunion sur le public. Toute réunion et opposition, yo, tout le monde qui a bloqué ou bien qui m'a dit pour Ariel aller. Les réunions, ça, c'est pas des réunions qui sont dans le quartier, mais toutes les réunions, ça, c'est des réunions publiques. Tout le monde qui prend, tout parti politique, et bon, pas qu'il y a de là, qui prend position pour demander Ariel pour l'aller, bah, j'aime quoi que nous, nous faisons de l'eau à la bonne heure, mais réunions comme ça. Parce que même pour un retrait, j'ai pris un retrait de la politique haïtienne. Bon, un retrait de la politique haïtienne. Par contre, mais fait, deux bagailles récemment. Premier sorti, hein, c'était sorti que m'était fait. Le, il a assassiné le président Jovenel Moïse. La caille, il a balle 12 cartouches dans la tête, dans le corps. Et puis nous, ouais, Jean, nous, ouais, assassiné, crapulé ça, nous, ouais, Jean, ça a marché. Ok? Madame Jovenel prend deux ou trois balles. Ok? Et l'obligé parti à l'hôpital faire opération et tout. Suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, moi, loin la mort, moi fait plusieurs interviews côté que moi demandé justice pour le président Jovenel. Et chaque date qui marquait commémoration date la mort, eh bien, moi font un appel pour me dire, mais Jovenel, ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait trois mois, ça fait dix mois, ça fait onze mois, demander justice pour Jovenel. Parce que moi, je suis le président de la République qui a assassiné la CAEL pendant que assassin yo, toujours dans la rue, assassin yo a monté des sommes, si yo pas joué qui nous qui tue Jovenel Moïse, prochaine élection qu'a fait là, eh bien, yo gen assassiner prochain moun ka rentre a tout. Donc, pour nation, pour peuple, pour pays là, lui-même, les importants pour que question ça nous donne une réponse. Ça, c'est le premier bar. Deuxième intervention que nous faisons, c'est que nous demandons, nous le premier monde qui supporte une intervention étrangère pour venir courir, alors, pas une occupation militaire, mais une intervention d'assistance à la police. Pour venir courir la police acclamée, pour venir continuer le combat contre gang, cap fumé, la misère dans le pays. Le deuil dans la famille haïtienne. Ça a été le deuxième volet d'intervention que nous faisons. Donc, je ne vais pas faire un Sindazou. Il y a trois semaines, je me dis, pour venir renforcer la police là, pour la police là, avec l'armée, qui n'a pas voulu mettre un bandit. Et puis, quand il y a là, il y a une question qui est dans le donc, il faut que nous d'ailleurs, ou bien on est au ou bien on est au qui va venir dans le OK. Laurent Lamotte. Donc, pour me répondre à la question, pour répondre à ta question directement, moi, d'ailleurs, tout enregistrement là, moi-même, j'ai jugé. Ça m'a dit, c'est que le premier ministre a été dans le pouvoir. Il était gagné. Un mandat spécifique qui se bat sécurité, organiser élection pour que un gouvernement que le peuple a choisi, capable de monter et capable de prendre les rênes du pouvoir. Et c'est à ça que nous sommes adaptés.
OK. Maintenant, là où fin expliquer pays a question âme et question rapport sous mode d'opération ou de fonctionnement de ou même qui font retrait de la politique et Canada sanctionné en pile on avait dit une série d'autorités notamment ou même ça veut dire ou faire une réflexion et une analyse sous sanction pays a ta remet qu'on est comment ou interpréter et analyser sanction Canada prend contre ou même non. Bon, mais même ça, je dis que pour moi. Voilà, avant que nous rentrions dans l'analyse et sur le dossier de sanction Canada pour rencontrer PM, alors, et PM Lamotte, et justement, et, il était fait plusieurs interventions sur ça déjà, mais sauf que ça qui est important, nous avons des amis qui sont très avisés et qui ont suivi le dossier ça de près. Justement, et nous décidons pour nous faire un petit peu ensemble avec jeudi à la même. Et. Voilà. Et Jacques Ndé annonce là, peuple haïtien. Nous gagnons. Et yon zami, yon compatriote ensemble avec nous, yon journaliste, yon professeur. Et c'est Marshall, Big Marshall, et qui ensemble avec nous exactement aujourd'hui à la même, qui c'est 24 novembre 2022. Nous connaissons exactement qui dossier cap de l'actualité. Eh ben, les amis, ça cap suivre dossier ça de près, qui gagne, et yon compréhension de dossier ça. Eh ben, justement, nous choisissons pour nous gagner l'émission ça aujourd'hui là, et nous remercions parce qu'il mettait le disponible pour nous tout, pour que nous fassions un petit parler ensemble avec sous dossier cap de l'actualité. Et Marshall, bonsoir, bienvenue, comment nous y est? Bonjour, bienvenue, comment nous y est? Bon, et nous en forme, et bientôt il faut, ça fait plaisir en pile. Je dis encore, on le croit, que nous avons participé à l'émission ça. Et même saluer tous les auditeurs avec l'autre monde qui a tendu, qui a gardé tout. Et l'émission ça, et puis, m'a salué tous les compatriotes, m'a voué un pensée spécial à compatriotes qui sont République Dominicaine et qui a passé en pile misère. Et façon que l'immigration a déporté Mounsa au nouveau et nous avons pensé spécial pour eux. Très bien, merci un peu. Et voilà. Et avant hier, nous avons tout rentré exactement dans le dossier Cap 2000 Actualité. Avant hier, nous faisons une émission tête chargée, côté que nous faisons râler sous sanctions que le pays Canada prend contre des officiels haïtiens ou du moins anciennes autorités pays d'Haïti. Et te gan pile réaction, en pile moun te bat bravo pour intervention dans l'académicien et me félicite ou parce que tu mets tout disponible pour nous et réflexion était normal, analyse yo, c'est des analyses tête chargée que était hier et mais jodi encore une fois gain évolution dans quatre dossiers ça. Qui ça bagarre là hier? Et nous t'a commenté de Canada évidemment, nous ouais qui prend la mayole qui fait et piquer devant et puis nous ouais États-Unis te fait back. Mais jodi là, nous ouais tout d'un coup États-Unis sorti en note côté que li féliciter partenaire li qui c'est pays Canada et li appuyer le régime de sanctions que Canada prend contre ancien autorité haïtienne. N'a pas tout rentrer là-dedans directement ou après bay paysan bay nation bay famis amis plateforme YouTube fou beto yo compréhension sur ça et analyse pas au que fait de dossier ça Marshall. Et analyse pas vous faire de dossier ça c'est que il y a un pile observateur monde cap garder moun cap opiné tout commentateur politique a et analyste politique moun cap commenter et information événement cap passer yo qui t'ai pensé qui t'ai mis en tête yo que retrait États-Unis et il était suspect même dit était suspect là et non seulement retrait silence les États-Unis t'ai paraît suspect par rapport avec façon premier et autorité était sanctionnée, c'était toujours tous les deux pays ça. C'est États-Unis, en Libanon, Canada dit m'a pris sanction tout. Comprenez? Mais pour trois derniers cas ça, on dirait que en pile monde s'est senti États-Unis fait un silence, il rétracté, il va dire dans dossier. Gien monde qui s'est pensé c'est parce que les États-Unis il gien monde parle l'entre yo ça, c'est ça que le pas parler. OK? Mais et tout le monde est étonné, pas de monde qui était atteint sur ça. Okay? Et même moi-même, j'ai été étonné. Hier, le département d'État américain a sorti une note que tu as fait connaître que tu as même appuyé à 100% le pays Canada par rapport à la sanction qui prend contre des autorités en d'un pays que tu as accusé qui a troublé le pays qui. Cap troublé et façon pays à marcher et puis qui participait dans des séries des actes
qui pas fait honneur à position yo et à pays en tout. Et États-Unis continuent pour dire que les campés de Canada 100% et il y a appuyé les efforts Canada fait pour capable de masquer prendre sanction contre un pile monde qui a fait de vieux bagailles et qui empêche et la paix établie en Haïti. Bon, les nouvelles sont tombées. Et c'est un coup de fouet. Parce qu'un peu, on était vraiment étonné. Il n'y a pas de penser que les États-Unis ont pris une position sur ça, par rapport avec le Canada. Mais là encore, et nous voyons que nous mettons ensemble pour être capables, disons, les États-Unis à courir des décisions au Canada. Maintenant, courir des décisions au Canada, veut dire ça, les États-Unis, tout, n'est pas marché collé avec Montaigne. Non. Car automatiquement, c'est ça. C'est clair. C'est Mounsayo, OK? Mounsayo, et au commencement, il était fait silence sur trois personnalités, à savoir président Michel Joseph Martelly, ancien PM Lamotte, ancien PM et Jean-Yves. Eh bien, et les États-Unis, pas marché avec Mounsayo. Ça veut dire Mounsayo, c'est le monde que les États-Unis lit. Accusé tout parce que automatiquement il appuie Canada la décision prend et ben États-Unis lui pas appuyé Mounsayo et ben encore et ça vient augmenter charge que trois Mounsayo vient gain sous deux pour prouver tête parce que et par exemple et en CPM Lamotte qui sorti en note côté demandé et pour Canada ta respecte-lui et des documents ou bien pour lui tabaler des preuves avancer avec des évidences pour lui dire mais ça lui fait mais bon, main, etc. Et ben même genre c'est un sentiment pas doux comprendre et même s'il dit il pas de connaître bande de qui ça va qui c'est lui parce que genre il s'est dit en déplacement et l'on pays dit à la cité en conférence dit le cabinet avocat guetant et disons les constitutions cabinet avocat qui pour et gérer dossier pour lui mais là encore même Mounsayo pral gagner pour yo al petit tête devant les États-Unis parce que États-Unis appuyé et Canada appuyé Canada c'est comme s'il était prend sanction contre eux même tout on voit Mounsayo pas bien et disons Mounsayo pas bien c'est parti les États-Unis dans n'importe barre capable le pays ça veut dire qui ça les bras gagnent l'élection, candidat ça yo. Si Mounsayo t'a mis proposé tête yo pour le candidat, dans quel que soit poste électoral là, eh bien, communauté internationale là a pris les chalbari de yo. Yo pas capable. Ça veut dire que quelque part, depuis que ça pral tribunal là, yo met tout connecté, non seulement pral tribunal Canada, pral tribunal États-Unis tout. Exactement. Ok. Mounsayo pral gagne pour yal pour. Pour y aller poser une question, ni Canada, ni les États-Unis. OK? Et nous connaît que, parce que qui s'est passé? Et j'aime tout dernièrement, les États-Unis font silence. Ça baille, un peu le monde qui a observé, qui a analysé l'actualité qui a passé, et problème. Pour qui ça? C'est parce que nous avons dit dernièrement que les États-Unis représentent un poids dans la balance. Oui, gros poids. Nous avons dit par là. C'est-à-dire que les États-Unis représentent un poids. C'est vrai, Canada pour sanction, mais les États-Unis, leur sanction tout, ont un poids. Effectivement. Poids. Mm-hmm. Et nous connaissons qui ça, les États-Unis, pays. Non seulement ça, tout, ça fait un. Deuxièmement, tout, et en pile, n'est qu'il en politique, en Haïti, n'est qu'il occupe de gros fonctions dans le pays, n'est qu'il occupe en pile bien aux États-Unis. Il n'y a pas bien Canada, il n'y a pas bien dans l'autre pays. Il n'y a pile bien États-Unis. Exactement. Mm-hmm. Mais États-Unis, c'est premier côté de où les gars fait quoi, les gars mangent bel quoi, c'est premier côté des gars qui bien. Ou après des migrants, ok, les gars qui cai États-Unis, qui business États-Unis, yo bail, yo disons yo grand pile actif États-Unis. C'est là où fin gagne tout ça au côté. C'est là où y a mis des quoi but. C'est là où des pillages. Pillages. États-Unis. C'est après au fin gagne tout ça besoin métier États-Unis au fin métier li au fin. Posséder tout ça au besoin posséder les États-Unis et puis laisser ça bon après ça entendez il y a le bâti immobilier et République dominicaine qui vit business République dominicaine mais de où est nègre là qui est quoi placer l'argent dans l'État premier coup de le viser pour le capable bien c'est États-Unis c'est États-Unis
Ça veut dire même Jean-Dylan là, c'est même Jean-Pablé, ça a dit. Les États-Unis viennent faire face avec les États-Unis, prennent sanction contre Mounsayo, et bien, son sanction qui pesait, et son sanction tout, qui vient gagner plus de valeur. Okay? Et Kounia là, il y a une question à poser tête, non? Est-ce que M. Joseph Martelly n'est pas gagné un pressentiment de position? Et les États-Unis devraient gagner après position au Canada qui fait lui-même l'étiquetage de Télé. Là, on a là, nous jouons un argument. Et avant, je te dis, avant, il y a un peu de monde qui était avant sanction Canada tombé, il y a un qui était pays les États-Unis. Mais là, on a là, par rapport à ce qui s'est passé hier, là, on est capable de dire que est-ce que ce n'est pas un pressentiment, est-ce qu'il n'y a pas de quitter de ça déjà, qui fait qu'il y a quitté les États-Unis pour ne pas, non seulement, embarrasser Télé, et puis tout pour ne pas mettre les États-Unis en difficulté et la guerre. Très bien. Et des monde qui t'a fait quoi que l'État va tourner États-Unis d'Amérique, mais sauf que ça moi-même à 100% pour confirmer lui. Pour confirmer à 100% si que Matéli t'a va tourner États-Unis. Ça veut dire que s'il t'a tourner États-Unis, ça c'est même question nous t'a posé avant hier là. Et qui passe pour Matéli gen amène, sous qui passe pour la voyager. Ça c'est le questionnement. Oui, et effectivement, il y a une bagaille qui vient tout, pas bien que position ça yo, que les autres sanctions contre nous-mêmes, et ça va dépendre de sanctions qui sont prises à niveau la donne, qui doit avoir des sanctions au plan contre tout, côté yo, et annuler, et visa, yo interdit yo pour entrer dans le pays, dans le pays, ça prend sanctions contre nous-mêmes, et yo qui doit prendre sanctions contre tout, c'est des sanctions qui, qui est rapport des sanctions économiques par rapport avec des activités financières que a fait le pays ça yo défendre disons yo bloquer tout ce gain et en termes de ressources ok tout ce gain en termes de ressources yo bloquer yo des ressources financières et des ressources tout qui en rapport avec et des actifs qu'on gagne ok le pays ça ou bien pas capable et utiliser eux tels que cailles, de biens immobiliers, d'autres biens matériels ou biens matériels ou gains, associés dans des business et des entreprises le bois, il va être difficile pour faire des transactions. Ok, au niveau bancaire, disons, système bancaire, ils vont pas admettre qu'ils vont faire des transactions, soit de pays par un, à n'importe quel pays ou bien à pays pauvre. Ça les transactions qui est plusieurs niveaux là-dedans. Ça arrive que malgré et les États-Unis qui doivent appuyer le Canada par rapport avec sanctions qui prend compte et disons des autorités, mais c'est pas pour autant que les États-Unis même ils défendent Mounsayo entrer dans le pays pâle. Est-ce que vous comprenez? OK. Comprendre. Ça veut dire que pourquoi il y a une sanction qui prend à niveau ça pour ta stable Mounsayo. Oui, les sanctions prennent à plusieurs niveaux, OK. Il y a la protection contre même, il y a pas annulé disons non pas qu'à cette transaction financière. OK. Pas cette transaction. Il pas de problème ensemble avoir sauf qu'on va rentrer mais question l'argent ou pas qu'à faire dégoûter cette transaction. Exactement. Très bien. Eh ben normalement nous capable dans tout dernier monde qui que pays Canada sanctionné là, me capable dit environ 6 monde. L'un de l'autre, deux sénateurs, un ancien député, deux anciens premiers ministres, un président. Moi, son seul monde là, qui a psyché à l'élanté. Et qui tient à ce que faut que la vérité établie dans le cadre de ça. Moi, la mode dit, lui-même, il n'est pas dans la gang, il n'est pas dans la finance gang, il décide pour le bataille, il a constitué le cabinet d'avocats et la prenne public. Moi, monsieur, dans toute radio, il est tout côté, il a parlé de dossier ça. Comment comprendre ancien premier ministre la mode qui a essayé de défendre tête dans le niveau ça? Et moi c'est juste parce que j'ai toujours dit ça que et la défense donc défendre tout ce bagage qui sacré et tout le monde qui a droit pour défendre tout même au monde qui vole un bagage j'ai été ouvert de voler bagage là ça dit ok mais monde en flagrant délit ou après les et monde savoir juger il a droit à un avocat il a droit à un avocat pour capable défendre parce que yo reconnaît ça tout le monde gagne droit pour défendre tête yo OK là yo pas ca condamner au monde pour monde arrêter bouche muette et puis qu'on a la police venir pour prendre monde pour pimper la prison non tout le monde gagne droit pour défendre tête parce que il est juste pour non seulement PM la mort quel que soit monde tout pour disons pour défendre tête lui
prendre tête li de ça ou accusé là. Et parce que c'est ça tout le monde disons tout le monde a accusé ça ou t'as dit fait tout. OK. Effectivement. L'état lui est constitué cabinet d'avocat. Ça bon, ça va dépendre tout si nous senti que yo impliqué dans bagaille là tout bon. Et yo peur parce que Mateli pas pipé moi même, non? Vous comprenez? Non, pas seulement ça, gen l'autre monde tout qui silence qui oui, silence absolu. C'est ça qui fait silence tout l'autre et Willy Celeste. Ah oui. Exactement, Mateli les barons les peut-être que la pompe moi même pas une note. Bah ou rien à part de Joseph Lambert qui t'a fait en sortie, Louis Latortue qui t'a sorti. Hervé Foucan pas dit rien du tout. Oui, ah oui, bon, oui, moun sa pas dit rien du tout. Kounen la silence moun sa yo, est-ce que li pa prêté à équivoque ou bien est-ce que yo fait silence, yo pa parlé le radio mais en bas yo gen des actions et y a peut-être yo gen cabinet avocat yo monté ou moins dans toi parce que les gars même l'ensemble si qui doit gagner, pa connaît chaque moun gen façon, yo fait valoir droit yo. Il y a autorité qui doit estimer. Il n'y a pas besoin d'en parler dans la radio. On prend un peu de droit en bas, il a fait ce que de droit pour faire quand même valadoir. Mais ça arrive tout. Et il y a deux mondes, nous disons, la famille Mounsao, personnalité Sao, qui connaît que y a des suspicions sur eux, il doit connaître tout, qui doit faire des reproches et tout. Et planter des preuves sur ça, en lieu et place où il y a le fait bruit. La pour y a pour une blague pour une milieu pour blanc puis après l'évidence il a parlé blague donc meni et puis après ça pour une autre bon, ça au fait yo garder le silence yo va dire ça au coucher ouais exactement c'est ça comprend parce que pour prenons le cas de Ronnie Celestin parce que écoutez bien Ronnie Celestin débarque dans le pays Canada achète ton caille pour 4.5 millions de dollars américains cash, le questionne ou même parle ça même, la presse Canada relaye li, ou dit ça c'est un monnaie épice. Quand y a journaliste ou même a questionné, yo dit si 4.5 millions de dollars américains pour yon kaye, son monnaie épice, qu'on est écob, et man écob mange à même, combien écob liye? Ça c'est des bagages tête chargée, et n'ap suivi dossier ça de près, mais sauf que l'autre est. L'autre point qui attire attention nous toujours même sauf que ça moi-même est extrêmement important pour moi par contre comment que ou elle et moi pourquoi j'aime moi que yo épinglé yo monde qui dans secteur privé des affaires là non pendant ce temps yo toujours gagne pile qui là dedans et le secteur des affaires et scandale ça qui disons après ça qui pété scandale ça et il gagne pile monde là dedans. Très bien. Par contre, si ou jouez une information, ça, c'est une information, ça, c'est de nous. Et gain une liste que Justin Trudeau dit qu'il y a 800 moun là-dedans. Ah oui, il a dit ça. C'est 800 moun. Et que liste a gagné pour le publier, Nations Unies gagné pour le publier. Liste. Et la liste a, disons, c'est pas premier ministre canadien qui dit ça m'a dit non c'est des médias qui des sources qui le contacté qui barre information ça et que je t'ai fait connaître que l'État a 800 moun là-dedans et 800 moun ça yo yo sorti dans tout secteur pas bien dernièrement ils t'ont parlé ensemble ils t'ont appelé pour sous l'émission l'homme des États moi j'ai dit que et moi même avoir nous te wè gen un problème dans façon li sa publier son li sa publier par contre goutte de temps en temps métier quelque non nous te même arrivé pas questionner pour nous dire comme ça que est-ce que c'est pas un liste qui a monté même dire monter ça dit je dis en métier non tel nous mettez non tel je comprends ça très bien nous te moi même avoir l'état participé de fort pour ça moi te dit que nous même nous plaider pour un liste complète. On liste complète, nous n'avons pas besoin de liste partielle, nous avons besoin de liste complète. Complet. Côté au public, tout le monde, non mounio, et puis nous finissons avec tout ça. Comme tout le monde, au dehors de la République, laisse à la Kounia, nous sommes capables d'analyser par rapport avec ça. Nous comptons des deux mounsa, ça mounsa, on dit, est-ce qu'on vous en prie? On a fait nous gagner tout, parce que il y a des mounio qui sont dans bien auparavant, mounsa, il y a des questions qui sont sur eux. Exactement. Nous pas de preuve, nous pas de des évidences, bien tout bien évidence, bien évidence qui
la confule avec gang yo parler yo dit oui moi-même intel de la confule ensemble avec il y a habitué fait tel bagaille gen moun là tout ça reproché moi c'est tout temps ça fait bruit dans la république est-ce comment dire là mais on lit total ça veut dire liste total là il t'a fait connaître que il y a moun dans tout secteur là secteur privé des affaires il gagne au niveau de médias il gagne moun dans société civile là il gagne tout couche moun la dan net gen moun ki nan politique gen de ses personnalités moi même pour nous pas connait qui parle politique qui parle rien mais de moun que de autorité utiliser influence moun ça pour capable et faire des séries de bagarre OK et ou après tout et gen des fois il est fois tu content de l'en média en pire café et puis l'on parler de l'histoire va dans des moun t'en parler ou pas attendre parler dans les médias. Des voix qui dit qu'on a parlé des militants qui ont parlé fait gros gauche fait bruit. Mais depuis la liste de yo pas entendu. On voit que des journalistes qui silence. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans liste là tout et ça qui est important pour permettre public là qu'on est tout et il a annoncé que il y a des journalistes là-dedans. Oui, assurément il y a des journalistes là-dedans. Moi même bon, c'est pas secret, il y a des journalistes là-dedans quand même parce que imaginez et le média là, le moment m'a pas la voix là. Nous pouvons que jamais de l'année pour ça. Le média là, nous pouvons que jamais pour ça. Côté, ou avez des journalistes qui ont payé rôle, qui ont payé rôle, gang, bandit, rôle pour eux. Des journalistes qui ont écrit communiqué pour gang. C'est grave. Des journalistes qui ont écrit discours pour gang. C'est ce qu'on vous en dit là. Des journalistes qui ont accès, qui ont facilité, qui même si ont information, ou à chercher confirmer information auprès d'un groupe armé, quelque chose à côté lié, ou à prendre très difficile pour capable de contacter nous, ou à prendre si personne interposé, ou à passer, pour capable de confirmer information, mais pour qu'ajouter en tout cas l'information. Mais qui journalistes qui ont besoin, et chef de pays, leader, en tête groupe armé, c'est que dans seulement les gens qui sont là. Après, l'on va repartir pour qu'ils aient une information primeur. Les gens qui sont information pour tout le monde. Eh bien, bon, c'est une connexion qui gagne entre les journalistes avec les journalistes. Est-ce que vous comprenez ça? Effectivement. Et que les journalistes, tout, je t'ai fait connaître que c'est du jour au lendemain, ils viennent posséder des séries de bagailles, pas que les gens qui sont là pour passer pour vous. C'est pas ça. OK? Très bien. De 2020 à 2022, ou bien 2021 à 2022, c'est où moure Jean Sorgue ta gagne yo geta gagne ça ou geta possédé ça ou geta possédé ça toute fortune ça ou pas de qui quoi bon qui côté n'a travail qui business qu'elle gagne pour l'argent ça exactement ça depuis les causé gang ça et a fait chimel le pays d'Haïti a fait bureau le pays et bien li affecté presque tout surtout des militants indépendants. Surtout les mises en ligne. Les mises en ligne. Les mises en ligne, non, c'est monsieur qui connaît là où on prend toujours bien entrée. On prend, bon, pas dit les mises en ligne, certains journalistes, certains reporters. Justement. On a fait à sous béton, qui ont accès pour entrer dans le ghetto, on prend, gagne là-dedans, yo corrompu l'exemple. Yo corrompu, et ça gang nan tout pas gagne contrôle tout. Et même ça que t'es passé, c'est soleil arrivé, et tu es là-dedans. Exactement, ça veut dire les coups ça vient passer, il y a un gang qui zami avec certains reporters et on le gang en face même qui fâché. C'est grave. Ouais, groupe journaliste ça yo aussi en plus avec groupe ça que yo même tu as vienne baio parler ou même est-ce que vous m'entendez là? Et dans ce ça l'autre gang adversaire, il qu'on monter, il prier et journaliste peut-être que on est trop proche. Vous comprenez moi, il y a l'autre gang qui en face et qui en face. Est-ce que vous vous entendez là? C'est juste pour me dire que la liste là va jeune pour ça là dans secteur privé des affaires là pas jeune pour pas capable jeune là dedans. Sinon on prend des exemples. On prend des exemples, nous connaît que au niveau de douanes, toujours gagne armes capables. Munitions capables. OK? Et yo toujours cité des noms. Gagne drogue qui entre. Gen drogue qui entre dans dossier et question de bateau Manzanares. Mon sous-chanché dossier ça. Gen drogue qui entre dans le pays. Mélangé avec sucre, l'obé. Exactement, bateau drogue ça. Pour la famille Accra, évidemment. Exactement. Ça le dit, des âmes.
il y a pas eu qu'on accuse même il dit pas ça yo parce qu'il dit pas qu'il pile zam pile et munitions en force est-ce que vous comprenez ça très bien c'est là pour montrer que secteur des affaires là c'est disons secteur et privé des affaires là il pas capable la donne non ça c'est numéro 1 ça c'est numéro 1 pas tout secteur non pas tout secteur il y a des acteurs dans secteur il y a des acteurs dans secteur ça dit comme il y a des acteurs qui fait partie du secteur privé des affaires là qui a financé des zones en Haïti les qui a financé des zones là les gain l'autre qui a financé pour pas qu'Haïti reste qui a financé parce que des acteurs qui en dedans c'est qui disons des acteurs qui entrent dans le secteur privé des affaires là qui a financé des hommes politiques on prend ça là et puis hommes politiques ça eux même financer les gens là pour bloquer pays son chaîne son enchaînement que lié exactement parce que qui ça qui passe par rapport avec ça les États-Unis le Canada tout pays ça qui forme une communauté internationale là yo te bien mis ce point que depuis 10 dernières années il y a écrit OK liste 800 moun ta yo publié si yo ta publié vraiment si nations unies a publié et ben c'est une liste que yo prend temps pour monter OK la green moun yo mette dans liste parce que et dernière information m'a partagé avant et pays Canada ou pour information ça tout et sur internet là pays Canada dit comme ça li bien documenté oui yo dit ça bien documenté li gen document la men li gen preuve la men de ça li accusé li gen des preuves tangibles li bien documenté oui il précise ça parce que li connaît gen des bruits qu'a fait et acteur ça au parler la radio et disons Yuri la Tortue et ancien sénateur Yuri la Tortue et actuel et président Sénat et Joseph Lambert et d'autres personnalités politiques accusées et qui pour avoir des preuves et bien Canada lui-même OK il y a des journalistes tout qui pas fin d'accord qui pas rien façon pays ça a réagi par rapport avec acteurs politiques ça côté il y a pas bail des évidences il y a juste à prendre sanction OK il y a des journalistes qui critiquent ça et bien pays Canada fait le point lui préciser et dire comme ça il y a gagné document il y a des preuves tangibles sur chaque grain de monde et dossier ça le il pas rien pour publier 800 listes il pas acheminer ça les il y a tout remettre dans son qui sont gain en termes de documentation qui sont gain en termes de preuve et puis nations unies par contre qui démarche va faire est-ce que qu'on y a là libéral transférer information ça by commissaire gouvernement nous gain dans pays ou bien au niveau de la justice haïtienne pour être capable de mettre l'action publique en mouvement contre mon travail, pour être capable de répondre aux questions. Mais ce que nous avons fait pour vous, c'est que le pays Canada lui-même est bien documenté. Il est bien bagarre dans le même. Il est bien bagarre dans le même. Ça veut dire que vous connaissez quoi, venez défendre tête, rassurez-vous que vous êtes pour. Même si vous avez oublié, même pour une fois, vous avez pensé que vous avez 10 ans, et 10 ans, vous avez parlé avec tel chef de bande, ou bien tout, vous avez 11 ans, 15 ans. Son document, Canada avec les États-Unis d'Amérique, ça veut dire que vous prenez temps. Pour monter document ça. Les fini gombar qui gagne tout et acteurs politiques et disons personnalités ça doit et disons négliger. On ne doit pas participer le bagage directement. Très bien. Mais indirectement on va participer là c'est le bagage. Et le bagage réalité de ça de combattre. On ne doit pas participer le bagage directement. Mais indirectement, vous participez là-dedans. C'est ça. Je vais vous montrer que ça va bon. Et, détendu sur la radio, il y a un journaliste qui a été venu, et sous, et on disait un barré qui s'est passé. T'es gagné, et Jean-Claude Duvalier qui t'a parlé en fait dans une montagne noire. Très bien. Et, il filmait tes gars sous lui, il m'a même endommé, et puis il a parlé en fait là. Dans la zone montagne noire. Et, yon étranger, soit un Colombien ou bien pas tellement rapide nationalité, hein, que yon te accusé qu'il en drogue, même si c'était qu'on entre en Haïti, vu le principe de l'eau qu'on a à l'époque, Haïti, yon tombe, et il te y va, ça, on l'appelle des autres. Très bien. Mais c'était toujours qu'on entre ici. Mais son monde que les États-Unis qui insolicit comme une gros marchand de drogue, qui a vendu de drogue à travers le monde, etc. Très bien. Est-ce qu'on est que les présidents, qui veulent, là, maintenant, il n'y a pas de compte sur le président Jacques Duvalier fait tout ça qu'on est pour ne pas rencontrer un monsieur
pour le faire photo ensemble avec lui. Pour pas faire photo ensemble avec lui. Pour le faire photo avec lui. Mm-hmm. Et monsieur lui-même a cherché le président pour le faire photo ensemble avec lui. Le président fait tout ça qu'on est pour faire photo avec lui. Et le président quitte cette là le plus tôt que possible. Avec un peu de stratégie. Est-ce que vous m'avez dit là? Ça veut dire, et ou qui doit pas participer directement le bagage, mais indirectement participer à l'aide. En autorité, qui doit débloquer un cop, vous faites le débloquer un cop, vous dites, mais pour qui ça fait le débloquer un cop, tout un cop, ça c'est pas ça l'affaire. Ça, c'est un gros bagage, vous dites là. Vous faites débloquer un cop pour un projet quelconque. Programme qui sourit, vous faites débloquer un cop. Ça veut dire faut débloquer un cop. Ça veut dire qu'on est autorité, ça toujours des militants, chef de fait, qui est en contact avec Ghetto, qui toujours fait liaison. Il faut débloquer un cop. Et bien, les cops ça débloqué pour nous chèque qui est en bas. Et puis, les cops ça arrivé dans Ghetto, comme ça, son cop qui a acheté ça, qui a acheté balle. Mais oui, c'est un gros bagage, c'est un gros bagage, dit là, oui. Ça veut dire que, gens que, si nous capables, par exemple, ça, pour ancien premier ministre Lamotte, par exemple, gens que, pour ça qu'il dit, on apprend pour ça lié, il fait qu'on est que lui-même pendant 2012 à 2014, décembre 2014, il passait environ 31 mois dans tête primature là. Monsieur Djo lui-même, il n'est pas content dans question bagage là avec gang au contraire, il a démantelé gang au contraire, il démantelé une gang qui était proche conseiller de personnalité qui était dans même comme si dans même groupe politique ensemble avec elle et c'est une bagage qui était jeté le tout. Par exemple gang sous la famille. Monsieur Djo pas dans finance gang. Et soit dit là extrêmement important oui, faut que la mot ta connaît évidemment dans des questions quel qu'on a fait des questions des fonds. Qui côté comme est-ce que comme ça pour projet qu'elle délégué c'est comme là est-ce que ça pour ça comme la fait pour tout bon vrai c'est gros bagarre dit là mon cher bravo c'est ça même tout parce que bon gros bagarre et acteur politique parce que ce qu'on est passé gain n'a pas tout expliqué tout à l'heure gain la personnalité sort qui fait silence très bien parce que qu'on nous pas une propre gain un électeur qui fait silence qui pas une propre mais gain tout suivre les gars parce que c'est un monde, n'importe mon capteur de là, choua, qui kon, qui est soit a été suivi pour en psychologie ou bien qui kon li et psychologie. Ouais, moun, kap défend tête du bec et des oncles, de un monde qui a accusé, qui moun ki gen audace pou fè. Mais qui moun ki cohérent, ou avoué nèg ap défend tête du bec et des oncles, ou avoué nèg ap mette tout. Énergie de on a parlé nèg a vu mettez pas gen moun être humain pas ka confier tête li est-ce que mon exemple très bien depuis un moun on bagage qui passe ouais même si moun nou gen la ca depuis le fond bagage qui passe ou elle fin fait ou elle doit pas là ou elle toujours mettez et elle connaît le fait bagage là mais les moun connaît fait bagage parce que son bagage qui humilié moun n'a pas ka confier tête li est-ce que mon exemple d'accord ou après gen l'acteur politique qui prêt pour mettre bio sous table pour défendre tout. Mais, vous m'avez dit ce qui s'est passé. Là, on va présenter ça au gain comme évidence. Que yo gen on zanmi yo ki ah mon cher gonne kap supporte lan ki toi mon cher bon faut parler avec monsieur sonen kap parler de ou kap rassemble mon kap et non c'est pour finir après téléphone là échanger parler avec konnen kap ça depuis toi konnen mwen mon pile là ça na mobiliser moun nan bay bon vous sam plan ta rime ki ça avec et puis next ça moun nan ti parler avec là on nèg pa même reconnaître même son chef de bandier et puis mais yo akizo ti parler avec tel c'est gros bagaille. Ça veut dire que yon kop ou te débloqué pour te dépenser l'activité culturelle. C'est ça, c'est ça. Ah, monsieur,
PM connaît là ça nous l'a été pour mon dans vacances mais tout mon besoin de football là ça au bon comme de débloquer contre ça dans quartier et pour moi aller pas papa pour débloquer pour ou ba initial bon ou ba quoi base et puis comme ça fait comme ça transiter dans des activités louche et puis ben côté ou même mêlé directement mon pas connoté mais exactement gon a pou faire gon disons gon a pou ou commettre et puis acte lui même li c'est comme si li travestit li travestit ça veut dire changer division sur l'autre bagage que ou même par contre studio c'est ça fait pari avoir le Canada va mettre évidence au dehors personnage qui sont pas l'étonné c'est un challenge blanc lui même qui semble blanc si vous lui ça c'est blanc lui même li pas sur action te faire mais li sur action plus qui ça donne comme résultat c'est ça fait blanc lui même li l'esprit fin c'est l'esprit fin blanc li l'esprit fin pour garder l'esprit si baga ou même ignorer ça pas d'importance c'est lui même l'importance parce que n'cap défendre il y a sûrement pas rien ce mabon next on connaît constance sous clé très bien yo connaît constance sous clé gende m'a pas rien voilà depuis le accusé nèg yo gen bloc dossier yo il a vérifié chaque fois dès que vous il a crassé mais tout pour garder qui c'est qui décide ça il y a pas jouin les blancs avec qui de soi blanc il en bas depuis vous gagnez dans qui évidence ou même vous gagnez estimé ça gagne comme évidence vous pas qui importe pas ouais il a doué pas important mais on a pas vous mettre dans tête tout blanc lui ne pas important c'est là bas tout bas c'est là bas tout si bas important même pays qui arrive de côté là comprenez. Ça c'est juste un monde qui parle avec ce petit copain. Parce que mon 10 000 gouttes, 11 000 gouttes débloquées pour un championnat, ça fait pas rien. Non, il va comme ça vous prendre. Est-ce que vous comprenez? Il va comme ça vous prendre. Tu avais dit, bah, là, bah, on va pas simple pour ça. Nous-mêmes, ça nous prend pour tout bas et petit, en blanc, lui-même, c'est lui-même la chercher, lui-même pour l'atterrir sur grand piste là. Exactement. Voilà. Eh bien, Machal, nous abordons quelques points qui étaient extrêmement importants là. Et nous pas qu'un beau trop. Mon cher, ma première CEO. Et on va placer dernier mot. Nous sommes contents de gagner. Nous avons continué à gagner parce que l'intervention de l'offre, je ne vais pas mentir. Dans les commentaires, par contre, si vous regardez l'émission, vous avez pile félicitations. Vous avez bravo pour vous. Moi-même, tout me satisfait mettre là. C'est parce que vous connaissez tout naturellement. Vous connaissez qui est ce qui Big Machal. Vous avez dit dans mes populations, famille, amis, plateforme, après l'info, mettez dans le téléphone. Dis-nous, vous mettez mon cher, invité, ça son gros monde, oui. Analyse de c'est l'analyse d'être chargé. Mon cher Machal, me félicite et salut le public là et place le dernier mot pour nous. T'as pris. Et même salut le public là et ben dire merci et pour appréciation des interventions. Et m'a dit tout haïtien qui a fait des missions là, et soit en Haïti ou bien quelque soit côté oui, à travers le monde. Et on fait une façon pour nous capables de libérer une énergie positive, pour nous capables d'aider les pays. Vous comprenez? Très bien. Et des gens qui prennent le mal et plaisir pour l'appuyer, pour content, pour être des pays sanctionnés, sanctionnés tel. Mais pas oublier que acteurs politiques, c'est acteurs politiques haïtiens. Oui. Si tout acteur politique nous vient là, c'est des acteurs qui corrompus, ou même en tant qu'haïtien, quand on est là, France, les États-Unis, le Canada, nous ça pour tout y est, ou même considéré, ou même jouer, tout comprendre? Parce que next acteur politique ça ok là derrière qui pas dans cette information qui va capter ici moi mais que next là majorité là next ça yo le monde ça c'est des monde qui à l'université qui fait de belles études ah oui quel parcours qui est bel parcours on voit ça là c'est de belles têtes pour moi et là ouais des nèg qui gen connaissance comme ça te bête comme ça et puis ou a perdu politiquement y a écrasé politiquement ouais nèg sont pas représentant rien li vinn mettre jeunesse sans doute jeunesse qui derrière capitude pour le qui sont qualité le pays li vinn décourager on ensemble là et on ouais nous même qui sont nous capable participer pour nous capable retirer pays en côté lien comprendre si gen nèg qui de puni que puni yo comprendre mais si gen tout qui gen du bel travail yo fait en l'ouest, ils sont nous-mêmes nous capables de décorer, dénoncer, faire tout ça nous capables de sauver le pays. Mamzou, merci en pile, Info Berto, c'est ton plaisir. Kebela, merci en pile, Big Machal, et Peuple Haïtien, ensemble avec nous, c'était et Machal, journaliste, professeur, et yon
tête bien faite, on a tête chargée, amis, famille, plateforme YouTube InfoBeto, justement qui t'a intervenu dans l'académie ensemble avec nous. Et ça qui est important pour nous là, c'est un autre point qui est extrêmement important. Écoutez bien, il y a un journal dominicain. Il y a un journal dominicain qui fait connaître que gagner des alors majorité des hommes d'affaires dans le pays d'Haïti et des hommes politiques en Haïti investi plus passé 1 milliard de dollars américains dans l'immobilier en Dominicanie. Regardez bien, oui, des hommes d'affaires et des politiciens haïtiens investi plus passé 1 milliard de dollars américains dans l'immobilier en République dominicaine. Mes amis, soyons sérieux. Est-ce que Haïti est capable propre? Est-ce que Haïti est capable clean? Est-ce que Haïti est capable, comme si pas état que le trouvé là? Nous avons investi plus passé 1 milliard de dollars américains en République dominicaine. Comment ça sorti en Haïti? Soyons sérieux. Moi-même, encore une fois, je dis chaque gars haïtien qui a tendu là. Nous avons un pays qui est riche, que tout petit est capable de vivre bien. Depuis nous avons des hommes et des femmes qui sont propres, qui sont honnêtes, qui sont clean, qui prennent responsabilité comme hommes d'État. Depuis nous choisissons des gens qui sont propres. Comme moment, c'est un moment qui est propice, oui, pour nous choisir des gens qui sont honnêtes. Parce que les gens qui sont sales, ils ne sont pas là encore. Je dis, le secteur privé des affaires dans le pays d'Haïti, c'est un secteur gang. Un secteur volant, un secteur mafia. Nous pas qu'à dire la velle. Son équipe qui a quoi avec richesse, qui n'a pas besoin d'Haïti pour faire rien. Mais qui a volant pour venir investir l'autre pays. Parce que vous comptez au volant comme là, vous pas investir la vraie. Parce que vous connaissez quel que soit Jean-Marie, quel que soit, comme si, donnez vous capable de changer. À n'importe quel moment, ça veut dire que vous êtes capable de perdre ça à faire dans le pays d'Haïti. Vous allez cacher l'argent ça dans l'autre pays. Mais je dis à États-Unis d'Amérique, vous avez saisi, Canada a saisi. Et vous prenez le Conseil de sécurité des Nations Unies, prenez exiger la République dominicaine pour le saisir tout. Là, ça va pas être choix. Ça veut dire que Haïti a perdu. N'a pas continué à perdre. Mais nous n'avons pas un problème. Je dis à chaque grand Haïtien, qui est compatriote, je dis à les yeux, pour nous suspendre les ravettes, tête ça, vous avez mal pensé. À nous, 1 million Haïtiens, 2 millions Haïtiens, filez manchette nous, pour nous retirer tête ça, de quoi ça, tête ça, vous avez mal pensé. On nous retire le décor ça pour le suspendre mal pensé. Là, ça n'a fini avec de nouvelles têtes qui bien faites, qui remet le pays d'Haïti, qui a bien pensé pour le pays. Ya. Opération, filet manchette, retirer tête criminelle qui a mal pensé. Pour nous venir avec de nouvelles têtes qui a bien pensé. Révolution sanglante pour jouer une solution définitive pour nous délivrer Haïti définitivement dans la situation que nous avons là. Nous ne pouvons pas faire notre langue parce que pour en couper, nous tuer le président. Automatiquement, nous tuer le président pour intérêt. Si on a tué le président, ou même comme citoyen, on ne peut pas parler même devant vous. Définitivement, c'est manchette qui est capable de résultat. Pas bouler, pas craser parce que Haïti n'a pas gagné pour bouler encore. Pas gagné pour bouler, nous avons craser tout le bagage net. Pas bouler, pas entrer dans la pratique ça. Sauf que, attaquer cible, tête cap mal pensée, pas considérer comme monde. Considérer comme une tête cap mal réfléchi. On t'a cap mal pensé, on t'a cap acheter zam pour entrer pour bail bandit, pour physio, pour kidnapper, son t'a cap mal pensé ou de filer manchette tout, ou retirer tête ça de corsa pour suspendre mal pensé. Aussi simple que ça, solution définitive. OK? Un politicien cap réfléchi mal, cap craser au pays, déstabiliser pays, assassiner caractère président pour patron calter physiquement, son t'a cap mal pensé, pas considérer comme moun. Prend manchette nous, retirer tête ça de corsa cap mal pensé. Le ça, n'a pas facilité pour nous rentrer avec de nouvelles têtes cap bien pensé. Automatiquement, ce n'est pas violence, c'est des légitimes défenses que liées. Ce sont un résultat que nous cherchons avec un problème qui a fini avec nous depuis plus de 30 années. Presque deux générations. À nous prendre responsabilité nous comme peuple. Je dis à bataille, son bataille, pas dans tes langues avec volo, pas dans tes langues avec gang, pas dans tes langues avec assassin. Parce que Haïti trouvé dans la situation, c'est seul petit lit qui n'a pas peur de mourir qui est capable de retirer dans sa culture là. Seul petit pays qui n'a pas peur de mourir, qui est capable de retirer Haïti dans sa culture là. Et c'est le moment pour nous faire. C'est obligation pour qu'on fasse. Nous devons battre. Battre avec toute force. Toute âme, nous. Pour nous aider pays à sortir dans sa culture là. Lorsque y a un groupe qui est dans le secteur privé, avec un groupe qui est dans politique, ce groupe, ça, tu cliques ça. Ils ont investi plus passé 1 milliard de dollars américains en République dominicaine. Vous êtes capable de comprendre ça? Dans l'immobilier, construire l'appartement.
construit bel appartement, belle chaîne d'hôtel. Plus passer 1 milliard de dollars américains. Comme ça sorti en Haïti. Ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph, réagit sur ça. Monsieur dit l'un et côté que, il parlait de ça. Premier ministre Claude Joseph parlait de ça, il dit comme ça que, voilà, le journal dominicain, et un journal dominicain qui c'est et bon, moi, plus de 1 milliard de dollars américains ont été investis dans le secteur immobilier dominicain par les hommes d'affaires haïtiens et ceux de la classe politique au cours de ces dernières années. Et José, c'est rôle et Ramia, diplomate dominicain. Son diplomate dominicain qui fait révélation ça. Et Gagnon, et naturellement, ancien premier ministre, Dr. Claude Joseph, effectivement, qui réagit sur ça. Et que réaction PM Claude Joseph là, et que l'important pour que nous t'avons partagé ensemble avec vous. PM Claude Joseph réagit sur ça pour qu'elle dise comme ça que. Mes raisons qui fait pif aux politiciens et hommes d'affaires haïtiens, pas qu'à dénoncer mauvais politique raciste, Luis Abinadel, contre compatriotes haïtiens. Toute richesse au Saint-Domingue. Ici, il y a tout, il y a président, créer instabilité, et puis il y a al investi, al sécurisé. Al sécurisé, bien yo Saint-Domingue. Yo pat ap jam vlem comme premier ministre. PM Claude Joseph, yo pat ap jam vlem comme premier ministre. Mais raison qui fait et puis fort politicien ak homme d'affaires haïtien pas qu'à dénoncer mauvais politique raciste président Dominique qu'est-ce qui c'est lui Sabinadel contre compatriote alors a fait contre compatriote haïtien nou yo en République dominicaine. Toute richesse yo Saint-Domingue et puis ici yo ap touye président créer instabilité, à sécuriser bien yo en République dominicaine. Yo pa jam vle m comme premier ministre. Déclaration PM Claude Joseph. M'a dit PM Claude Joseph, et pa yo k'ap vle comme premier ministre, c'est peuple la gen pou vle. Et peuple la gen pou vle et c'est peuple la k'ap prend responsabilité le tout. Peuple ici ka les yeux nous. Nous on a fait avec un groupe mafia qui était yo homme d'affaires, nous on a fait avec un groupe resta avec criminel gang qui était yo politicien, nous de filer manchette nous. Pour nous retirer tête ça yo pour suspendre penser mal le sa pays d'Haïti avant ralon souffle en nous prend responsabilité non. Écoutez bien, n'a prêté dans dossier nomination juge alors soi-disant président cour de cassation, monsieur pas sérieux, monsieur pas digne, monsieur pas honnête juge cour de cassation. Ça faut que nous clés sur ça. Monsieur pas honnête. Et Guerrier Henry, journaliste média traditionnel, t'es font tirer aller moi-même aller que le faire sous nomination soi-disant président cour de cassation dans pays d'Haïti que Guerrier Henry fait. Nous va le font tirer ensemble avec Guerrier Henry. Parce que ça est logique. Moi-même partager intervention Gary Pepoli. Alors, Gary Henry fait. Entendez ça ensemble avec moi pendant quelques minutes et puis on comprendre évidemment. Gary Henry. Faut me dédoubler. M'a dédoublé à ce là sous baïsa. Et m'a cité des moun parce que gon tendance ici moun toujours abdou que gen moun ki bon moun non y va vrai. Voler oui. Pas aucun monde qui bon monde vrai. Les juges de la cour de cassation et des cours d'appel sont nommés pour 10 ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour 7 ans. Et les juges de la cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée, les juges de paix sur une liste préparée par les assemblées
communal. Ça, c'est l'article 75. Mais on était sous ça. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumise par le Sénat. Mmh. Et Jean-Joseph Lebrun, M. son adventiste du 7e jour, même Jean avec Ariel Henry. Pas sérieux. Yo nommé monsieur président Cour de cassation. Qui est-ce qui nomme elle? Ariel. Ariel Henry, premier ministre. C'est vrai que nous parlons de la Constitution. Mais la justice élève une nation, d'accord? Si président Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire dans le pays, monsieur accepté vin président Cour là dans condition ça, mon cher a fait ça aurait les hommes de loi négonet voler seulement. Mon cher pays a malade. Voler seulement. Si on est adventiste du 7e jour, moi-même je suis adventiste du 7e jour. Nous connaissons la loi et les principes divins représentés pour nous. Bon, pour on est dans un niveau, ça a fait toute vie ou l'église. Et que vous acceptez son compromis qui fait de vous président de la Cour de cassation. Ou comme ça, ça veut dire? Ou vin président en dehors de. Eh bien, si vous avez un prêté serment sur ça, c'est vrai que nos situations exceptionnelles, extrêmement difficiles. Mais on est qui? Nan niveau ça juge. Bon, comment faire justice sans son bail qui était pourri depuis longtemps tout? Parce que si on juge, il y a deux associations et magistrats dans le pays. M'bral bon réaction yo après yo fin nommé le Brun. M'bral bon réaction de moun yo. En clair. Bon, qui justice n'est que Sabrel Bay là? Président de la Cour de cassation qui a accepté pour un poste dans condition ça. Compromis. Comme si pour le bon, tu as pensé que Bral est président de la République et puis l'ennemi a fait président de la République, il va l'accepter comme juge, comme président de la Cour de cassation. Mais au minimum, si moun présente comme n'est qui honnête, sérieux, mon cher, t'as dit premier ministre, ah, mon cher, je ne suis pas capable. So j'aime dire ça, grand bon moun yo toujours à présenter comme moun qui intègre honnête, pas vrai non? Voilà oui. C'est faux oui. Mm-hmm. Entendez ou bien en li parce que nous t'ai fait si recherche là dans le Nouvelliste. En li réaction tous deux. Association magistrat. L'Association nationale des magistrats haïtiens. ANAMA. Jean Wilner Morin, que moun toujours considéré, a dit son juge. C'est pas vous. Gomba m pa vle kwè la dan. Tout moun a géré équipe yo, groupe yo, intérêt yo. Si c'est Jovenel Moïse, président de la République, l'am tap tan yo, qui te fait action ça, qui te nommé. On est dans Cour de cassation comme président ou bien même comme juge. Monsieur, ou t'as gâté ou ça que t'as pas le passé là? Qui était ce Jovenel qui a décidé de nommer on juge, pas même le président de la Cour, non? On juge dans Cour de cassation ou t'as gâté ou ça? T'as pralé tout texte qui est dans la loi pour montrer que Jovenel n'a pas le droit de faire ça. Mais je dis, il y a un certain juge que des gens qu'on présente comme pas des gens qu'on est vrai. Tant que intérêt mon nan pas lésé. Mais depuis c'est pour avantage, li, pour intérêt personnel, li, mon cher. Pas qu'on soit expliqué là, pas qu'on. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, Jean-Wilner Mourin,
a salué la nomination de Maître Lebrun à la présidence de la Cour. C'est William Moré. Lydie Napsité, notre association se réjouit de cette décision qui va rendre fonctionnel le CSPJ par le président de la Cour de cassation, car le président de la Cour de cassation est automatiquement le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il va falloir prendre d'autres décisions afin de nommer d'autres juges pour compléter et rendre fonctionnel la plus haute juridiction du pays. Maître Lebrun est un juge honnête, ayant une grande carrière. Il était doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Honnêteté, ce n'est pas qu'on soit mesuré, les négats, ses amours, la bonne désavantage, c'est pas comme ça. Mm-hmm. Si monsieur, effectivement, ton monde qui était honnête, l'étape dit Ariel Henry, premier ministre, je ne peux pas parce que, mais ça la loi dit. Effectivement. Comme nous, nos situations exceptionnelles, en tant qu'il y a un président de la République et qu'il y a un parlement fonctionnel. C'est ça, le tap dit, s'il était honnête. S'il était honnête, c'est pas le volant. Et ça, en beau créole. On dit, j'en so, j'aime toujours dire, nous, le bluff a ses limites. Ou mettre y a dou, non, n'est-ce pas pour arriver dans une situation pour prouver qu'ils sont malhonnêtes. Association professionnelle des magistrats, APM, là, dans le même sens là. Cette association s'est également montrée favorable à la nomination de l'honorable juge Jean-Joseph Lebrun à la présidence de la Cour de cassation, faisant de lui automatiquement le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mm-hmm. Cette nomination constitue un pas important vers le fonctionnement régulier de la Cour de cassation et va pallier le dysfonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué portant la signature du président de l'APM, Martel Jean-Claude. Hum? Regarde, belle baille, elle est con, monsieur. Ou elle doit aller à l'école. Il faut aller à l'école pour qu'elle conne. Ou bien, on doit aller à l'école, mais elle va apprendre. C'est très important. Il faut qu'elle lit. Oui. Martel Jean-Claude. Association. Oui, association professionnelle des magistrats APM. Et vous tendez n'a pas l'eau de honnêteté. Menti. Bluff. Nous pas honnête vrai. Et pas vrai. Nous pas honnête vrai. C'est intérêt nous n'a pas géré. Nous sommes ces jovenels. Pas nommé mourin. Ok? Jovenel pas nommé. T'es dit le pas nommé monsieur. Comme juge. C'est pas d'instruction. Ariel Vinil nommé ou. Et qui parie à l'intérêt n'est pas de fois. Pas ça. Et puis, il y a un peu de juge. Ou quand on ne peut pas prendre un juge ici, c'est vrai que Jovenel te dit, il y a 5-4 corrompus. Et le déconne, ça le tape dit. C'est parce que Jovenel là, son crétin. Jovenel te manqué en dents. Il te manqué grain. Il te plus qu'une bouche. Mais Jovenel te manqué grain. Te manqué comme si couille. Te manqué comme si étoffe d'un chef d'État. C'est vrai. C'est là son problème. D'accord. Pas de gagne équipe tout, pas de vraiment gagne équipe. Il y a quelqu'un qui écrit quelque part, l'État est bienfaiteur et assassin. Au monde qui écrit ça, sans commentaire s'il vous plaît. L'État est bienfaiteur et assassin. C'est au monde qui écrit. Ok? C'est au monde qui écrit et puis me répéter. L'État est bienfaiteur et assassin. La situation nous comprend. Moi-même, et honnêtement, je voulais juste faire notre petit extrait ça, parce que quelque part, je partage l'intervention et guerrier en rien, honnêtement. Mais ça que je dis, non? Jovenel Moïse n'a pas qu'un juge qui n'a pas de canomie parce qu'il n'a pas de bagage qui louche, il n'est pas sérieux.
Mais si vous voulez sans salle, sa gang, sa camba, qui sont tous les présidents, vous l'avez rien, li nommé. Parce que ce groupe gang, ni li mette là. Pour le l'autre président vini, pour le mandat pour le touye l'autre président encore. Est-ce que l'on président élu démocratiquement a accepté pour le fonctionner avec un système judiciaire qui est juge, gang ça ou la dedans? Juge pas sérieux ça yo, qui nommé pas yon criminel ou assassin qui se tué yon président de la République qui était élu démocratiquement. Ou pensez président ça va le confortable avec le système judiciaire ça? Non. Et ça cause, m'a dit, peuple haïtien, préparez-nous dans l'élection qui pour venir pour nous voter pour tout bon. Pour 1 million moun, 2 million moun, 3 million moun, 4 million moun, votons au grand moun. Pour une légitimité populaire. L'on vagabond dans le système judiciaire qui est en face li, pour nous foutre prendre manchette nous, pour nous foutre retirer tête ça ou cap mal pensé ya. Prenons responsabilité nous. Yo les mes foubeto, n'a grandi ya. Bah j'en peux rien. Depuis quand il s'agit de la vérité. N'a pas défendu peuple haïtien, n'a pas défendu pays, n'a pas défendu nation. M'a dit nous kembe la balade, rendez-vous cassé pour après-midi à la même. Pour 6 pm pour l'autre émission qui va passer sur plateforme Banon qui sur plateforme YouTube Infobetoa. Deux c'est ça nous va le fin. Nous pas fini non. N'a pas traité l'après-midi ensemble avec n'a pas maintenant n'a pas deux invités. N'a pas annoncé exactement l'émission l'heure montée après-midi à 6 pm le pays d'Haïti. Kembe la balade Infobeto zami parlons cavalier pour le canon. Moi-même en pile. Rendez-vous pour plus tard.